On n'avait pas obtenu de corner en première période, c'est le troisième dans ce deuxième moitié de match. Et l'égalisation après la déviation, c'est arrivé au deuxième poteau. L'égalisation d'Andreas Christensen, le défenseur central, qui est venu surprendre tout le monde. Ça fait un partout entre l'équipe de France et le Danemark. C'est leur gros point fort. On le sait très bien. Et il le prouve encore une fois. Très bien tiré ce corner dévié au premier poteau. Ouais, touché légèrement au premier poteau, Christensen est lancé au second. Il devance Adrien Rabiot qui n'a pas suffisamment anticipé, qui est un peu en retard. Et encore une fois, ils nous font mal sur une phase arrêtée.